Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sciorama World of Shipping, le jeu de logistique maritime. Donc on venait d'acheter notre cinquième navire, qui est un porte-conteneur de capacité supérieure. D'ailleurs renommé, j'avais dit, je vais vérifier du coup en vitesse le nom de la personne qui m'a filé un petit commentaire là. Non, s'ouvrir, voilà. Voilà. Voilà, on va l'appeler. Oh. Ah, je peux pas parce qu'il est en route. Donc, peut-être qu'il est en rapport. On va attendre qu'il soit dans rapport. Ce que j'ai fait là tout à l'heure, j'ai fait. Ah ouais, si, voilà. Pourquoi il me grise là? C'est bien. Bizarre parfois le jeu. Donc, le Wina Yiwen pour se le remercier de son commentaire sur la chaîne. Même le changer de couleur pour le voir, on va le mettre vert comme l'autre. Voilà, ça c'est fait. Stop, j'ai pas vu que le blue ball était inactif. Bon, tout cas, on a un 2,3 ici pour 59 000 tonnes vers le Vietnam. Ça me semble être le plus intéressant. À un moment ou l'autre, je vais peut-être vendre des petits vraquiers parce que ça apporte quand même moins que les autres. L'application de mon truc là augmente petit à petit, c'est pas mal. Celui qui doit aller jusque là, le Warhammer il est presque arrivé. Chargement, il doit aller maintenant à Rotterdam. On peut trouver, est-ce qu'il y a un autre truc qui va par là? J'ai de la place vers la Lettonie, donc Philippines, donc clairement pas au Sarabie. Enfin, l'Arabie en passant. Marche pas. Par contre, si je dois faire comme ça, bord celui-là, là, je suis en train de faire le plein, accélérer. Voilà, on est pas mal. Hop, le rameur est donc au port de Jebel Ali. Ok, ça c'est bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Oh, j'avais pas fait une autre enchère aussi, tiens. Pas faire attention, c'est toujours moi qui l'ai, il reste 47 jours, ok. Un autre vraquier, plus gros. Le seul navire qui reste en course, donc il faudra checker si on le garde jusqu'au bout. Je me demande si j'ai moyen de transférer l'équipage d'un navire à l'autre. C'est vrai que si j'en vends un à un moment, peut-être qu'ils auront déjà pris un peu de niveau l'équipage. Après, je vais sûrement devoir en changer peut-être un jour parce que je vais. Mon temps de réputation, on peut peut-être engager des gains un peu plus forts. Enfin, je sais pas trop en quoi ça influence le truc. Oui, j'avais dit que j'allais voir pour la roadmap. Alors, j'étais voir. Bah, le jeu étant déjà au fait sorti en release. J'en ai pas trouvé. Du coup, j'ai posé la question.
Je verrai bien si j'ai une réponse. Ils ont l'air de répondre quand même sur le forum. J'ai posé aussi la question sur Discord. Donc on verra bien si j'ai une réponse de leur part à ce niveau-là. En tout cas, il y a des mises à jour qui se font. Il y a apparemment dans la prochaine mise à jour, d'après ce que j'ai vu, il y aurait quand même des ports en plus disponibles. Donc le jeu continue à se développer malgré le fait qu'il soit sorti officiellement. Qu'il n'est plus en accès anticipé en fait. Donc voilà. Donc ça, on continue à regarder un petit peu au fur et à mesure. Si j'ai des nouvelles avant, durant le let's play, évidemment, je vous tiendrai au courant. Alors, attends, je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est le Hulk, ok. Hulk, il peut aller où? Hulk, il peut aller au Brésil. Aller au Canada. C'est plus intéressant, la Belgique, l'Afrique du Sud. 51 000, je peux prendre l'Afrique du Sud, et puis le Brésil, ça me paraît. 96 000, ah non, j'ai pas assez, j'ai rien dit. Ah, ça sera le Brésil alors. Destination Brésil pour le Hulk. Accélérer ou quoi? Jours, c'est plutôt bien. Il est mon parti derrière les barres là. Tu as quitté Djibouti. Tu es en route pour le Brésil. On va voir à quoi il ressemble le navire là. Il est un peu plus gros. Pas un super gros méga porte-conteneur géant, mais il est plus gros que l'autre. Le Winhaven arrive. À Shanghai. On aura plusieurs qui arrivent en un coup là. Rotterdam, premier arrivé. On a gagné. Alors ici c'est fait. Donc là on achète. On fait le plein. Pourquoi tu veux pas faire le plein? Ah, qu'est-ce qu'on a ici? Pas grand chose, Singapour. Une balade celui-là. La direction de Singapour. Hop. Ah, j'ai pas vu. Oui, on peut baisser un peu. 10. 31, c'est bon. Non, 410 000, tu rêves ou quoi? Alors, suivant qui arrive, c'est qui? Marvel a gagné. Alors, déjà, on a fait le plein. Hop. Waouh! Cher en fait descendre ici. Punaise. Faut bien. Ensuite. 4 009, Maroc. Maroc. Je pense que c'est le Maroc qui gagne. Voilà. Allez go. Marvel est reparti. Notre porte-conteneur, il est bien arrivé.
Et il doit aller maintenant à Haipong. Est-ce que j'ai autre chose qui peut potentiellement aller à Haipong? Nada. C'est tout de suite des trucs super loin. J'ai... Ah si, j'ai ça. Haipong Vietnam. Bah oui, je peux le prendre en fait. Hop, acquérir. Un million, c'est un million, hein. Pas craché dessus. Ok, ça va, il charge. J'ai pas vu que le Blood Bowl aussi est arrivé. Alors, pouf, qu'est-ce qu'on a? 2 millions 3 vers les États-Unis, vers Tampa. Bah, go. Go Tampa. Siège des Buccaneers, honteusement éliminé contre les Lions à la NFL cette année. Bientôt le Super Bowl d'ailleurs, hein. Au cas où s'il y a des fans, moi je peux vous dire que je suis fan, donc je reviendrai sûrement en direct. Ici 9 millions 100, oula, vers Anvers, pas mal. En plus, il y a moyen que je casse un autre truc. 80 millions, il me resterait à peu près 40. Rien qui tourne dans le Canada, ouais, ça c'est pas du tout le même sens. L'Allemagne, bah oui, l'Allemagne c'est bien. Donc on va prendre. Prendre de la Grèce et puis l'Allemagne. Ou non, la Grèce puis la Belgique, je veux dire. Alors je vais prendre la Belgique. Carrière. Et alors je vais prendre l'Allemagne. En plus. Comment il y a de caser des trucs? Attends. La Norvège aussi, hein. 2 millions en plus, hop, on prend. Ça va faire un beau truc, c'est un beau chargement, ça, c'est bien ça. Plein de sous. 49, 52, 54. Ok, bah on est bon dans le timing en plus. Est-ce que je peux accélérer? Voilà, comme ça j'ai du rab. C'est parti. Ah, vous voyez que ça rapporte tout de suite plus, hein, les gros navires. Hein. Ah, c'est des pépettes. D'ailleurs, en fait, j'ai pas fait gaffe. Où là? Toujours acheteur. Ouais. Est-ce 4 jours? Ah, c'est bien. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Un vraquier là. À 75 000. Pff, 23 millions. Bon. Porte-conteneur. 25 000. 19 millions. Des plus petits que l'autre. Hein. Alors c'est. Attends. Je sais plus. Je suis pas sûr. Je crois que c'est. 30 000. 19 millions. Ah. Pas tout de suite. Dans le celui-là, il faisait combien encore? 130. Ouais, c'est ça. Ouais, donc il était plus petit, c'est ce que je pensais. Voilà. Non, je vais acheter un autre truc, je pense. Je vais essayer d'avoir un autre tanker. Alors, lui qui est arrivé. Il y en a 7 vers la Chine.
livre, toute la cargaison. Partout en Chine, en tout cas. Trop loin. Oh, ok, c'est parti. Luc, il est reparti. Tu vois, empêche que le. Du coup, le nouveau navire, là, nommé Wina Even, bah, il me rapporte beaucoup, beaucoup. J'ai acheté mon autre navire. Il est où? Il est là. Qu'est-ce que j'ai encore comme. Le premier commentaire qui a été fait sur cette série a été fait par Florent. Appelez-le Florent. Voilà. Ça pouf. Le Florent. Voilà. Alors. Déjà, je pense à mettre un peu plus de ça parce que je vois que le moral monte. Parfait état en plus, nickel ça. Il est où pour le moment? Ça va là. Et de là, qu'est-ce qu'on trouve? Ça va là. 150 000 tonnes. Voilà ça. Alors là, Miro 8, mais 17 jours seulement, donc on va aller d'abord au Pérou. Bon, il faut recruter l'équipage aussi. Le nouveau navire. Allez, ça sera pour toi. Ça sera pour... Pas pour Jamba. En chef mécano, ça sera pour Nord. Un officier électricien, ça sera pour Yegor. Et en chef steward, ça sera... Ils sont tous sur une étoile, ça c'est pas... Et ben ça sera Sébastien. Sébastien. Voilà. Ouf. Et le Florent peut donc se mettre en route. Non. Donc il prend pas le feu dès le premier voyage, ça serait ballot. Et ben voilà, donc on en est donc à 6 navires. J'aimerais bien avoir un autre tanker, ça serait vraiment chouette. Mais on verra ça du coup au prochain épisode parce qu'on va rester là pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour la suite de nos petites aventures sur Siorama. À demain!